Le mammotest est prévu par les régions pour les femmes de 50 à 69 ans et gratuitement. Le mammotest aussi est organisé pour détecter les cancers du sein. Plus le cancer du sein est détecté tôt, plus la chance de guérison est élevée. Oui, allô, bonjour. Ce serait pour prendre un rendez-vous pour un mammotest, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Bonjour. J'ai rendez-vous pour un mammotest. Oui, je peux avoir le papier du ministère et votre carte d'identité, s'il vous plaît. Madame Van Damme. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez venir. Voilà, je vais prendre votre demande. Donc, vous allez entrer dans la cabine pour vous débarrasser. Vous débarrassez tout le dessus. Ça va? Vous mettez torse nu. Ça okay, va? Ça donc va. Ici, vous laissez tout ici. Ça va, ok, merci. Je vais comprimer. Il faudra pas... Le mammotest sert à repérer des anomalies au niveau du sein, au niveau des seins. Donc, toutes les femmes sont concernées, donc entre 50 et 69 ans, c'est gratuit. Et elles ont l'occasion comme ça, de venir faire un examen pour pouvoir trouver justement, rechercher une anomalie éventuelle. Et s'il y en a une, ben, elles pourront alors faire un examen complémentaire et faire une mise au point, précocement. Voilà. Cet examen n'est pas agréable, mais il n'est pas douloureux du tout. En plus, il ne dure pas longtemps et j'ai été très bien prise en charge par la technologue du CHU d'Inan. Je reçois les clichés, je fais les conclusions pour le CCR. Une deuxième lecture indépendante est faite au CCR. Une troisième lecture en cas de discordance entre les deux premières lectures. Et les conclusions finales sont envoyées au médecin renseigné par la patiente. Allô? Bonjour docteur. Oui? Ah merci. Merci beaucoup. Au revoir.